Bonjour à tous. Dans le cadre des Amphis du savoir organisés par l'UFR Sciences fondamentales et appliquées de l'Université de Poitiers, j'ai l'honneur d'accueillir Gilles Boeuf. Donc aujourd'hui, on va parler de la biodiversité et humanité, des relations ambiguës. Gilles Boeuf est donc professeur émérite à Sorbonne Université. Il était professeur invité au Collège de France et professeur consultant à AgroParisTech. Il a été également président du Muséum national d'histoire naturelle. Actuellement, il enseigne donc à AgroParisTech et également à Sciences Po Paris. Voilà, je lui laisse la parole. Merci beaucoup et puis bonjour à tous. Bon, je suis désolé comme tout le monde de ne pas vous voir, hein, en présentiel, c'est tellement mieux, mais depuis un an, c'est comme ça, on s'est pas mal habitué. C'est pas aussi bien, mais au moins, en tout cas, c'est mieux que rien du tout. Donc aujourd'hui, finalement, mon intervention colle bien avec la réalité, parce que ce matin, j'ai reçu le dernier rapport de l'IUCN, l'Union internationale pour la protection de la nature, qui publie son rapport sur la France et sur les territoires outre-mer français, et qui nous montre... Alors en gros, on a combien d'espèces vivantes en France? On me pose souvent la question. Allez, on arrive à 100 000. Alors, les espèces, pour moi, c'est tout. Hein. Les bactéries, les protistes, hein. On les verra tout à l'heure, ces grosses cellules à noyaux que sont les levures ou les microalgues, les champignons, les plantes et les animaux. Et l'homme, il est dans les animaux, bien évidemment, l'humain. Hein. Donc, 100 000 espèces en France métropolitaine, et pour l'instant, on en connaît 80 000 dans les territoires outre-mer, ce qui montre qu'on les connaît très mal, parce qu'il y en a, bien sûr, infiniment plus dans les zones tropicales qu'en métropole. Alors, ma conférence, c'est... Pourquoi aujourd'hui a-t-on des raisons d'être intranquille? J'oscille toujours en permanence entre deux choses. D'abord, vous dire la vérité. Ça, je n'oscille pas du tout. Il faut que je vous dise la vérité. La situation n'est pas du tout satisfaisante. Mais à l'inverse, je ne suis pas là non plus pour vous coller la trouille. Hein. Je parle exprès avec des mots très populaires. Et je ne veux pas développer l'éco-anxiété. Donc, qu'on soit conscient de ces questions-là, oui. Qu'elles nous paralysent, non. Donc, je fais confiance à une femme qui s'appelle Muriel Fliss, qui a sorti ce thème il y a 3-4 ans, elle est philosophe au CNRS, l'intranquillité. Nous sommes intranquilles et nous avons raison d'être intranquilles. Alors, deux écosystèmes ici, la forêt tropicale humide en bas, la Guyane, 30 000 espèces au kilomètre carré, et l'équivalent océanique, c'est le récif corallien, ici toujours en territoire français, en Nouvelle-Calédonie, 5 à 6 000 espèces au kilomètre carré. 600 espèces de poissons, autant d'espèces de coraux sur un carré de 1 km de côté. Alors, si je prends le corail, c'est fascinant parce que le corail, c'est moins de 1% de la surface de tout l'océan. Et pourtant, le corail, c'est le tiers des espèces connues dans l'océan aujourd'hui. Vous voyez bien que quand le corail s'en va, c'est dramatique au niveau des espèces qui s'en vont avec, bien sûr. Et quant à la forêt tropicale humide, on a trois grands gisements au monde, hein, le bassin du Congo, en Afrique, en Amérique du Sud, l'image que vous avez ici, l'Amazonie. Et en Asie, les deux grandes îles que sont la Papouasie-Nouvelle-Guinée et puis Bornéo, tous ces territoires, bien sûr, qui sont sur l'équateur, dans la frange intertropicale, hein, sont ultra riches. Ces forêts, elles contiennent plus de la moitié des espèces connues sur la Terre aujourd'hui. Donc, écosystème particulièrement intéressant. Et je vous mets ici maintenant une image en haut de Shanghai. On parle beaucoup de la Chine en ce moment, on va y revenir. Shanghai, ben, c'est la moitié des Français. La moitié des Français dans une seule métropole. Plus de 30 millions d'habitants. Et puis en bas, une petite courbe qui est une des raisons de notre intranquillité, dont je vais en mettre d'autres. Voilà, ces deux courbes qui sont là, celle du haut, celle du bas. En haut, c'est la température de surface de l'océan, température de l'air, hein, depuis 140 ans. Et en bas, c'est la montée du niveau de la mer. Alors c'est intéressant parce que le niveau de la mer, il ne montait pas beaucoup. Hein. Il a beaucoup changé. Deux chiffres aussi, vous verrez, j'aime bien les dates et les chiffres. Je vous ramène 19 000 ans en arrière à Poitiers. La température était 4 degrés plus basse qu'aujourd'hui et le niveau de la mer était 125 mètres plus bas, 125 mètres. Ce qui veut dire que ça a beaucoup, beaucoup changé. Au moment où l'humain s'arrête de bouger et va devenir sédentaire, il va inventer agriculture et élevage vers 12 000 ans d'aujourd'hui, eh bien, effectivement, on a à peu près 5 millions d'humains sur la Terre et la mer remontait très vite, 5 cm par an. Et depuis 5 000 ans, elle remontait beaucoup moins, 1 mm par an. Et depuis 20 ans, là, 25 ans, elle s'est mise à remonter très vite, 3 à 4 fois plus vite que ce qu'on a eu pendant 5 000 ans.
Donc voilà une cause d'intranquillité. Quand vous regardez, cherchez les grandes villes du monde qui ne sont pas au bord de la mer, il n'y en a pas beaucoup, hein. On va trouver Paris, on va trouver Moscou, Chicago, mais c'est vrai que les grandes villes du monde sont essentiellement au bord de l'océan, donc menacées par cette montée du niveau de l'océan. Et puis aussi, bien sûr, la question qui se pose, qui est toutes ces relations entre le changement climatique accéléré d'un côté et le vivant de l'autre. On va y revenir tout à l'heure. Pour le vivant, je vous ai mis une image d'une petite chouchoute, une petite grenouille. Alors, elle n'est pas de chez nous, elle vit en Patagonie, j'y suis allé une cinquantaine de fois. Et c'est vrai que ces petites grenouilles, elles vivent dans les grandes forêts d'Araucaria. Et puis, ben, elle s'en va aujourd'hui. Elle s'en va pourquoi? Parce qu'on enlève ces merveilleux arbres entre lesquels elles vivaient, les grands Araucaria, qui vivent entre 1000 et 3000 ans. Et aujourd'hui, on les remplace par des pins et des eucalyptus venus d'ailleurs, qui n'ont rien à faire là, qui changent le climat en Patagonie, et puis qui vont faire disparaître notre petite grenouille. Donc, pour vous montrer que tout ça est quand même bien, bien aujourd'hui préoccupant. Alors, les causes de l'intranquillité, on peut les aborder, bien sûr, hein. Si je reviens à Lucie, il y a plus de 3 millions d'années, en Afrique, l'humain est africain, ça c'est absolument clair, la génétique est formelle. L'humain est africain, il est apparu en Afrique, puis il est sorti. Il est sorti lors de changements climatiques, d'ailleurs, hein, quand le Sahara n'était plus un désert, il y a 100 000 ans, il y a 70 000 ans, il y a 50 000 ans. Enfin, ça l'aidait effectivement à migrer vers le nord et il allait vers les plaines d'Arabie à l'époque qui étaient vertes et puis aussi, bien sûr, l'Europe et l'Asie. Donc, question que se posaient ces humains de l'époque, c'est est-ce que je vais trouver à manger aujourd'hui? Eh bien, est-ce que je vais pas moi-même être mangé aujourd'hui? Parce que quand vous faites 50 kilos tout mouillé et que debout, vous faites 1 m 40, ce n'est pas facile, hein, d'échapper aux grands prédateurs africains qui étaient, bien sûr, en grande abondance, le lion, la hyène, les panthères, hein, les guépards. Et c'est vrai que c'était vraiment une obsession, ceci. Et puis, bah, depuis, ça a changé. Mais il y a encore des gens qui se demandent si aujourd'hui ils vont trouver à manger de plus en plus sur la Terre à l'heure actuelle. Et quant à être mangé, vous avez vu les accidents récents, hein, avec les agressions de requins, bah, une encore cette semaine en Nouvelle-Calédonie, où un homme a été tué tout près du centre de Nouméa. Alors, les questions environnementales, je ne vais pas toutes vous les passer en revue durant l'heure qu'on a ensemble, hein. Bon, il faut penser à l'énergie, à l'eau, à la biodiversité, bien sûr, on va en parler beaucoup, au climat, aux pollutions, à toutes les interactions entre l'humain et cette nature qui nous entoure. Comment est-on passé de la domestication du feu à l'énergie nucléaire, en passant par les révolutions technologiques actuelles, les biotech, le numérique, bien sûr, la robotique, les nanotechnologies, tout ça est parti à fond, ça coûte d'ailleurs pas mal d'énergie, dans un contexte général de démographie qui continue à nous préoccuper et de ressources qui s'amenuisent. Simplement parce qu'aujourd'hui, on gaspille énormément. Et pour les ressources renouvelables, en fait, on ne devrait pas avoir de soucis puisque le vivant, il se reproduit. Mais comme on dépasse les seuils de renouvelabilité, elle pose problème autant que des ressources qui sont, elles, finies dans le temps. Le pétrole, le charbon, les gisements et tout ce que vous voulez comme métaux divers et variés. Et je vous ai mis en bas les quatre types d'organismes qui vont nous intéresser. C'est quoi la biodiversité? C'est les vivants, des bactéries, des protistes, ici ce sont des dinoflagellés ramenés par la mission Tara. J'étais avec eux au téléphone tout à l'heure, ils sont dans le sud du Chili en ce moment d'ailleurs. Les plantes et les champignons. Et puis à droite, un animal, j'ai pris un autre chouchou avec ma petite grenouille, un tardigrade qui vit dans nos lichens un petit peu partout sur la Terre. Et je rebondis sur un article de Paul Ehrlich, qui est un vieux monsieur. Tout à l'heure, on parlait avec Christine de Edgar Morin. Ben, il a le même âge, Paul Ehrlich. Et quand il est reçu à l'Académie des sciences royales britanniques il y a quelques années, il dit: Can the collapse of global civilization be avoided? Est-ce qu'on peut encore interdire un effondrement de nos civilisations? La question est vraiment posée. Et ça revient tous les jours dans les médias, actuellement, bien sûr. Le seul écosystème, finalement, seul endroit sur la Terre où il n'y a pas de vie, ben ce sont les laves de volcans. C'est plus de 1000 degrés. Et bien là, effectivement, il n'y a pas de vie. Mais dès que ça se refroidit, la vie apparaît. Alors, ceci, bien sûr, ce sont des mouvements sociaux qui ont été déclenchés. Ça, ce sont la fameuse crise dite des gilets jaunes, décembre 2018. Les gens entrent en rébellion parce qu'on augmente de quelques centimes le prix du litre de gasoil. Et ça va tout déclencher. Et je reviens à Nicolas Hulot qui disait, avant de partir, vous savez, ne prenez aucune mesure environnementale taxée tant qu'on n'aura pas résolu les problèmes sociaux qui vont avec. Et puis c'est parti, et puis ça a pas mal empoisonné notre existence, bien sûr, durant l'année fin 2018, 2019. Ensuite va débarquer ce petit virus, le coronavirus 19, je vais y revenir tout à l'heure.
Et ce qui fait que la situation, ben, elle est quand même plus que préoccupante dans nos pays depuis maintenant presque 2 années. Alors, voilà 2 documents très récents. Ça, ça date d'un mois. Un article du Monde, « La peur de l'apocalypse climatique ». Effectivement, aujourd'hui, vous avez dans les extrêmes deux réactions, tout autant l'une que l'autre, très dangereuses. La première, ben, c'est fini, c'est foutu, c'est trop tard, c'est le cataclysme. Hein. On va vers l'effondrement de tout. C'est pas, je ne suis ni collapsologue ni catastrophiste. Hein. C'est pas du tout mon style. Mais à l'inverse, je combats autant les gens qui disent, ben non, c'est pas grave. Vous savez, d'abord, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Le climat, il change pas. Ou alors, s'il change, ben, l'homme n'a rien à voir là-dedans. Ou bien alors, bon, l'effondrement du vivant, c'est pas vrai, ou alors oui, c'est un petit peu vrai, mais c'est pas grave, c'est pas grand-chose. Donc, comment est-ce qu'on va osciller entre ces deux extrêmes? Comment chaque citoyen va se mettre à ce niveau-là? Et à droite, c'est un livre paru il y a moins d'un mois, écrit par mon successeur, Bruno David, à la présidence du Muséum de Paris d'Histoire naturelle, qui est écrit à l'aube de la 6e extinction, « Comment habiter la Terre ?». Donc, on va se mettre sur ces aspects particuliers tout récents. Et ce matin, je vais vous parler, alors je n'ai pas eu le temps de préparer les images parce que je l'ai eu il y a une heure. Hein. C'est le rapport de l'IUCN sur la liste rouge nationale pour la France et l'Outre-mer qui nous dit que sur les 100 000 espèces dont je vous parlais tout à l'heure en France, il y en a aujourd'hui 14 000 qui ont vraiment été évaluées entre 2008 et aujourd'hui sur 13 ans et qui conclut qu'il y en a 2430 qui sont vraiment menacées et 187 déjà sorties de cadre géographique dans lequel on est, ou bien carrément éteinte. Donc, c'est des questions qui sont vraiment, vraiment intéressantes à poser, ce qui fait que même chez nous, là, on croit que tout va très bien, et ben, en fait, ce n'est pas du tout la situation. Et sur ces 100 000 espèces françaises de la métropole, et ben, il nous manque déjà, effectivement, il nous manque, sont menacés 20% des poissons, le quart des grenouilles, 12% des libellules, je regarde le tableau de ce matin de l'IUCN, hein. À peu près 6% des papillons de jour, 10% des plantes, hein, et puis des groupes comme les crustacés d'eau douce, ben, un tiers. Hein. Donc c'est vrai que 24% de nos reptiles français, d'ailleurs vous avez dû voir la semaine dernière que la France a classé en protection totale tous les serpents de France, parce que ben, même ceux qui sont dangereux, comme la vipère, hein, elle est classée, interdite de la tuer, de la transporter, parce que vraiment on est dans des états qui sont assez critiques. Donc ça, c'est pour nous rappeler que ces espèces menacées nous montrent justement l'état de la situation. Alors, on va se pencher sur la question, pourquoi sont-elles menacées? Pourquoi diminuent-elles? Vous verrez aussi que moi, je n'aime pas trop le terme d'extinction. Donc, Bruno David a mis à l'aube. Bon, moi, je veux bien, mais j'estime qu'on n'est pas encore dans une crise d'extinction. On y va. Si on ne change pas, on y va, ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, on est dans un effondrement du nombre des individus dans les populations vivantes, hein, quelles qu'elles soient, des plantes, des champignons, des animaux. Alors, tout ça, bien sûr, a démarré avec l'apparition de la vie sur la Terre. La Terre s'est bien documentée maintenant, elle a 4,6 milliards d'années, 4 600 millions d'années. On a plusieurs méthodes pour mettre ça en évidence. Et sur cette Terre, effectivement, l'océan s'est formé, cet océan ancestral, cette Terre bombardée par des milliards de météorites. Vous en avez une ici qui nous a beaucoup intéressés au Muséum à Paris parce qu'on la ramasse dans un champ près de Toulouse en 1864 et qu'elle raconte l'histoire justement de la fertilisation, de l'arrivée de l'eau sur la planète Terre. La Terre, au début, quand elle s'est formée, elle a pu garder une partie de son eau, mais une grande partie est venue également par ces bombardements de météorites, des chondrites de l'espace. Et cet océan mondial, il s'est formé. Parlons d'un océan. Et la vie va apparaître dans l'océan ancestral. Pourquoi un océan? Parce que si je prends de l'eau à 400 mètres de fond, où qu'elle soit, c'est la même. Nos amis du Vendée Globe qui ont fait le tour du monde n'ont vu aucune barrière durant leur pérégrination autour de la planète. Un océan, par contre, c'est vrai, beaucoup de mers différentes. La Méditerranée, ce n'est pas la mer Baltique, ce n'est pas la mer Noire, bien sûr, ce n'est pas la mer de Chine, ce n'est pas la mer chilienne. Et entre les deux, entre cette eau salée qu'est l'océan et la Terre, les estuaires. Là, je vous ai mis une embouchure du rivière à Madagascar. Eh bien, quand je regarde la composition de cette eau-là, je vais la rapprocher de quelque chose que je vous ai mis ici en chiffres, qui est quoi? Tout simplement votre sang. Votre sang en ce moment. Et ça m'a toujours mystifié et émerveillé. Vous regarderez votre prochaine prise de sang. Vous lirez le début de l'analyse. C'est marqué sodium, potassium, chlorure, magnésium. Qu'est-ce que font ces éléments qui sont ceux de mer, dans un sang humain? Eh bien voilà, votre sang,
il reflète très bien ce qu'est la composition d'une eau d'estuaire. C'est ni de l'eau douce, ni de l'eau salée, on est entre les deux. Et tous les humains, quels qu'ils soient, ont 142 millimoles de sodium dans leur sang et quelques millimoles de potassium. Alors que l'océan, c'est 11, depuis toujours, depuis 100 millions d'années, il n'a pas changé l'océan. Ça qui est fascinant. Je veux vous démontrer au début de mon exposé que vous faites partie de ce système Terre. Toute notre physiologie, toute notre anatomie, notre corps, ce qu'on raconte, ce qu'on pense, est lié à ce qu'est le système Terre. Alors on peut imaginer plein d'autres choses dans notre tête, bien évidemment. L'humain est profondément animal, il n'est pas que ça, puisqu'on discute ensemble aujourd'hui grâce à notre technologie. Et c'est par ces technologies que l'humain a cru se sortir du système écologique classique, de ce qu'est la Terre, justement. Et ça, c'est très dangereux et très grave, je vais vous le démontrer. On a des relations incroyablement étroites avec ce vivant non humain qui nous entoure. 6-7 millimoles de potassium, c'est le coma profond chez l'humain. L'océan est 11, vous en avez 3 à 4. Il faut réfléchir, bien sûr, à tout ça. Et voici le plus ancien être vivant que nous ayons dans nos collections en France. Ce sont des cyanobactéries d'Australie datées à 3,45 milliards d'années. Et là, je vous mets les mêmes. Si j'avais été avec vous, comme c'était prévu à Poitiers, à l'université cet après-midi, eh bien, on serait allé voir une mare d'eau à côté de l'amphi. Et bien, dans cette mare d'eau, il y a des cyanobactéries. Rendez-vous compte, ces êtres vivants sont toujours là après 3 milliards et demi d'années. C'est fabuleux. C'est ça ce qu'est la qualité du vivant. Ces lichens, qui sont une association entre un champignon et une algue, qui vont sortir de l'océan vers 450-500 millions d'années. Tout ça, c'est extrêmement important de le prendre en considération. Nous sommes le vivant. Nous sommes la biodiversité. On n'est pas à côté. On est totalement dedans. L'histoire du Covid, on va y revenir, nous raconte vraiment cette histoire-là. Admettons-le une fois pour toutes. Regardez ici l'eau. Vous savez qu'un bébé humain, on est tous passés par là, on a tous été bébé humain à une époque, garçon et fille, c'est pareil. Eh bien, un bébé humain qui naît, c'est 3/4 d'eau, 3/4 de flotte. Ce n'est pas fait pour laver sa bagnole. Hein. C'est la molécule clé du vivant, avant l'ADN. Tous les êtres vivants, quels qu'ils soient, sont faits d'eau liquide. Et ça, on l'a complètement oublié aussi, cette eau, on la gaspille, on la souille en permanence, on en fait tout et n'importe quoi. C'est dramatique parce que c'est un irrespect total par rapport à ce qu'est la physico-chimie du vivant, de l'eau liquide. Je vous ai mis en bas des méduses marines et des tuniciers, 98% d'eau. Et le plus sec que je vous ai trouvé, c'est une graine de datte, 5% d'eau. Il suffit de la remettre dans l'eau et hop, ça repart. Ça vous donne un petit dattier qui sera fait aussi aux 3/4 d'eau. Donc vous voyez que cette eau, elle est fondamentale. Si je vous emmène à Atacama, ici, dans ce désert ultra sec entre le Chili et le Pérou, là où il ne pleut jamais, il va pleuvoir tous les 12 ans à la périphérie du désert, hein, lié au phénomène climatique El Niño. Regardez en quelques jours ce qui se passe. Ça, c'est ce qu'on appelle El Desierto Florido. C'est le désert qui se couvre de fleurs. Pour imaginer ça, imaginez aussi les insectes qui vont avec, les papillons, les coléoptères qui viennent vivre sur ces fleurs, et les oiseaux ensuite qui viennent aussi. Et tout ça va durer quelques semaines. Et ça repart pour 12 ans vers l'aridité extrême. Pour que ça puisse se produire aussi vite, il faut que tout soit déjà en stand-by dans le sol du désert. Évidemment, elles sont là, les graines, elles attendent la moindre parcelle d'eau liquide et ça part. Donc c'est pour vous dire que l'humain peut s'amuser à jouer au dieu ici en irriguant le désert, ici en Jordanie, et là on crée de la biodiversité, on crée du vivant dans un désert. Donc cette eau, elle est absolument fondamentale. Et vous montrez les relations entre le vivant, la science de base de ce qu'est la vie, et puis les aspects sociaux, ben je vous emmène en Afrique. Regardez ces jeunes filles. Je suis allé beaucoup en Afrique. Eh bien, je connais au moins une bonne trentaine de pays africains. Partout, ces jeunes filles, elles vont chercher de l'eau. Tous les jours. Je me suis arrêté 20 fois sur des routes africaines, leur demander de mesurer le volume de ces bidons de plastique chinois qu'elles ont sur la tête. 17 litres, 17 kilos. Portez-les entre vos bras, sur votre tête, sur un vélo, comme vous voulez. Vous avez fait 15 kilomètres pour aller chercher de l'eau. Et qu'est-ce qui se produit pour ces jeunes filles qui est absolument dramatique? Pourquoi l'écologie est totalement liée aux aspects sociaux, évidemment. Quand elles font ça, ces jeunes filles, elles ne vont pas à l'école. Ça, c'est mon premier drame. Hein. Ramener toutes les jeunes femmes, toutes les jeunes filles de la Terre à l'école, toutes, sans exception. Les garçons, ils ne vont pas les filles. C'est absolument lamentable et scandaleux.
Deuxièmement, elles n'ont pas de salaire pour faire ça. Personne ne les paye pour faire ça. Elles partent le matin, elles reviennent au début d'après-midi. 15 km à l'aller, 15 km au retour. Et avec le changement climatique, ce que je vous ai mis en bas, on a calculé le nombre d'heures de travail qu'elles auront à faire en plus avec le changement climatique au sud du Sahara. 40 milliards d'heures de travail, collecting water, uniquement pour chercher de l'eau. Elles n'ont pas l'école, pas de salaire. Troisièmement, les femmes africaines ne sont jamais propriétaires des terrains sur lesquels elles travaillent. Ça appartient toujours à un garçon. Et enfin, elles font des mauvaises rencontres en route. Donc, vous voyez qu'elles reviennent fécondées. Donc, c'est là que vous avez quelque chose ici qui est absolument essentiel. Et ça revient au premier objectif des Nations Unies, éradiquer la pauvreté. C'est essentiel. On ne pourra pas vivre en harmonie sur une terre à 8 milliards d'humains, peut-être 9 demain ou plus, avec ces extrêmement pauvres qui vivent à côté des extrêmement riches. En plus, quand on regarde aujourd'hui le seuil d'extrême pauvreté qui a été décidé par les Nations Unies il y a quelques années, à 1 dollar US par personne et par jour, 0,8 euros. 70% de ces gens-là sont des femmes, 70%. Alors que toutes les femmes qui m'écoutent, vous êtes plus nombreuses que les garçons sur la Terre. Il y a 52% de garçons qui naissent en France aujourd'hui. À 25 ans, on a exactement en France le même nombre de garçons et de filles. Et plus le temps passe, il y a de moins en moins de garçons. À 100 ans, il reste un quart des hommes et trois quarts sont des femmes. Et à 110 ans, il n'y a plus aucun garçon en France aujourd'hui. Donc vous voyez que c'est tellement important de prendre aussi ces aspects sociaux en considération. Alors c'est quoi la biodiversité ? Ben, c'est ça la biodiversité. Beaucoup plus qu'un catalogue de papillons ou de champignons, c'est ça. Si j'enlève ici le nickel des couverts et le verre des bouteilles, eh bien, c'est que du vivant. Nous ne mangeons que cela. Nous ne coopérons qu'avec cela. Je vous parlais des protistes tout à l'heure. Ben, les protistes, c'est clair que sans levure, ben, il n'y a pas de bière, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de fromage. En fait, il n'y a pas de français. Hein. C'est pour vous dire que c'est tellement, tellement important de revenir à cela. Alors, on s'est mis à élever des espèces qui étaient sauvages à une époque devenues domestiques, comme la vache. 1,3 milliard de vaches. 23 milliards de poulets en ce moment sur la Terre. Et je vous ai mis deux ouvrages que j'aime beaucoup. Un écrit par Marc-André Sellos qui s'appelle « Jamais seul », un arbre. Tous les micro-organismes qui forment l'environnement d'un arbre, beaucoup plus en biomasse que tout ce qu'on voit d'un arbre, entre les racines, le tronc, les feuilles, les branches. Et le même ouvrage avec les humains, écrit par Éric Batteste, tous les deux sont professeurs au Muséum à Paris, eh bien là, vous avez tous entrelacé. Le bébé humain qui naît va s'entrelacer avec les bactéries de l'utérus de sa maman. Et ça, c'est essentiel. Et c'est intéressant de voir ce que cible le Covid-19, qui il tue des personnes âgées, des personnes en surcharge pondérale, obèses. Il tue des gens en hypertension artérielle, en diabète de type 2. On a eu un très beau papier récemment qui montre les relations entre Alzheimer et un désordre avec nos bactéries intestinales. Vous voyez qu'on est à un subtil équilibre d'entrelacement entre des micro-organismes et puis des cellules humaines, au moins autant dans un corps humain. Alors, si je reviens en fait à l'initial, hein, l'apparition de la vie dans l'océan, il y a, on a dit, un peu moins de 4000 millions d'années, voilà une goutte d'eau de mer. Où que vous la preniez, pas trop loin de la surface ici, il faut de la lumière, vous avez les tout petits points jaunes, des milliards de virus par goutte d'eau. Les moyens points jaunes, ce sont des bactéries. Et les gros points jaunes, ce sont des protistes. En l'occurrence, ici, des microalgues, le phytoplancton. Eh bien, ça fait 98% de la biomasse de l'océan. Tous les poissons, toutes les baleines, c'est que 2%. Donc, imaginez l'importance de ce milieu particulier qu'on a complètement ignoré pendant très longtemps. On oublie, par exemple, que nos microalgues marines nous font au moins la moitié de l'oxygène dont on dispose aujourd'hui dans la biosphère, largement autant que les forêts tropicales. Donc, vous voyez que l'océan, aujourd'hui, c'est 13% des espèces connues. Je vais y revenir avec Tara tout à l'heure. Deuxième écosystème, un sol. Vous êtes à Poitiers, une région qui est fortement agricole, que je connais bien aussi. On a un laboratoire pas très loin, un petit peu plus à l'ouest, qui est Chizé, où là, on travaille sur ces sols. Un sol en bon état, c'est 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare, 3,5 tonnes de micro-champignons. Qui les connaît ? Ce sont des collemboles, des acariens, des nématodes, des vers de terre, bien sûr, des tardigrades. Eh bien, aujourd'hui, on connaît dans les sols de la planète deux fois plus d'espèces
que tout ce qu'on connaît dans l'océan. Vous voyez l'importance effectivement de nos sols. Et ce qui est dramatique, et chez vous aussi à Poitiers, c'est comme ailleurs, hein, on a détruit la moitié de nos sols pour deux raisons. D'abord, les aspects mécaniques, et deuxièmement, des aspects d'usage de molécules dangereuses, de pesticides, d'herbicides, tout ce que vous voulez, hein, qui ont détruit la vie dans les sols. Et là, je vais être solennel quelques secondes. On ne sauvera pas du tout la situation. On ne nourrira jamais 8 milliards d'humains si on ne ramène pas de la vie dans les sols. C'est fondamental, de la matière organique et de la vie. C'est très important. Troisième et dernier écosystème, voilà, c'est quoi? C'est un peu la question. C'est un tube digestif, un intestin d'un bébé humain à la naissance. Alors, ce bébé humain, vous voyez, il a un tube digestif qui est quasi vide de bactéries, qu'on appelle axénique. Et au moment de l'accouchement, il y a sûrement des mamans qui m'écoutent, qui ont eu des bébés. Eh bien, c'est un moment précis qui s'appelle la rupture de la poche des os. À ce moment précis, les bactéries du corps de la maman vont aller, non pas infecter, mais ensemencer ce bébé. Un bébé, il met 3 ans à stabiliser sa flore intestinale. Elle est unique, elle n'est qu'à lui. Au moins 1000 espèces de bactéries, on n'en connaît même pas la moitié. Donc, vous voyez que ce vivant, il est totalement entrelacé. On en a partout des bactéries sur nous et dans nous. Et regardez les relations avec le vivant non humain. Tara, ce voilier qu'on utilise, ce matin j'étais en relation avec eux, je vous disais en liaison avec eux, ils sont dans le sud du Chili en ce moment. Et bien là, on vous a mis en bleu des gènes de micro-algues de l'océan. En rouge, des gènes d'intestin de bébé humain à la naissance. Et en gris, ben ça c'est vous et moi, on a un tiers de commun entre nos bactéries, notre ADN d'un corps humain et puis l'ADN des micro-algues de l'océan. On sort du même système. Regardez comme elles sont belles. Elles ont fait rêver. Image de Tara ramenée. Ben ça, ce sont des dinoflagellés marins, mais on ramène 600 000 séquences pas connues entre 2009 et 2013. Et là, on continue aujourd'hui. On travaille aussi beaucoup sur les plastiques, les microplastiques en mer. Et vous voyez très bien que c'est extraordinaire. Ces virus, ces bactéries ont très, très, très grande quantité. Sur une seule expédition comme ça, on peut tripler, doubler à tripler le nombre d'espèces connues dans l'océan. Et nous partageons notre ADN avec ces organismes, bien évidemment. On a effectivement 2/3 d'ADN identique entre une mouche et un humain, 98% avec un chimpanzé pour la partie codante, 60% avec une banane. Donc vous voyez très bien qu'on appartient au même monde, qu'on arrête de se croire sorti du système et maître de tout au niveau de cette nature qui nous entoure. Et regardez aussi, il y a une vieille menace qui a la vie dure et qui est fausse, nous dire que tout est compétition dans le vivant. C'est pas vrai. Là, on a analysé 100 000 associations avec Tara Océan, ce bateau qui fait le tour du monde et qui séquence la surface de l'océan. Et on montre ici qu'il y a infiniment plus de mutualisme, de symbiose, de commensalisme, de coopération entre les espèces vivantes que de compétition. Elle existe, la compétition, mais elle est beaucoup plus rare. On nous dit à une entreprise, tu ne survivras pas si tu ne manges pas celle d'à côté, ça n'a aucun sens. Sans entraide, on ne pourra jamais vivre à 8 milliards d'humains sur cette planète, bien évidemment. Et le vivant très ancien, ancestral, nous le démontre tous les jours. Voilà, ça c'est pour finir cette petite introduction qui est longue. C'est simplement votre lit ce matin. Voilà. Alors, vous savez que vous avez dormi. On aime beaucoup ça, les humains. On aime notre lit. Qu'est-ce qui est plus intime que notre lit? En plus, ce qui est intéressant dans mon histoire, là, c'est que vous dormiez tout seul ou à deux, ça marche. Hein, c'est pareil. Entre 1 et 2 millions d'acariens par lit humain chaque matin parce qu'on y a dormi. Je ne dors plus là, ils vont ailleurs. Et c'est ça qui est fondamental, en fait. Alors, qu'est-ce qu'ils font là? Ben, ils mangent nos cellules de la peau qui se desquament, ils mangent nos cheveux, nos poils, tout ce que vous voulez. Hein. Donc, cet entrelacement est absolument partout. On l'a vu au niveau de l'ADN, on l'a vu au niveau de l'eau et au niveau de ce qui vit avec nous, autour de nous, dans nous et sur nous. C'est absolument essentiel d'y songer en permanence. Donc, ma conclusion pour cette partie-là, c'est de vous dire que si on admet que nous sommes le vivant, qu'on n'est pas à côté de ce vivant non humain, ça va changer beaucoup de choses. Parce que chaque fois que vous allez agresser ce vivant non humain, vous vous auto-agressez vous-même. Ce qui, franchement, n'est pas très sérieux pour une espèce qui, elle-même, s'est appelée sapiens. L'homme qui sait, l'homme sage. Alors, tout ceci, j'aime bien cette courbe publiée il y a quelques années dans la revue TRI, qui vous montre comment l'humain a progressé en nombre d'individus liés à sa technologie.
Je vous ai mis le premier outil, la première arme de l'humanité durant des millions d'années, un biface, un caillou taillé en bas à gauche. Puis après, on va vivre un épisode très important. Les ingénieurs de l'époque inventent l'arme de jet. Je tue à distance. Ça va tout changer, tout changer, tout changer. Alors, l'arc et la flèche, il y a 8000 ans, après, ce qui n'est pas une arme, mais un engin extraordinaire pour l'humanité, la roue. Puis après, ça va être, vous voyez, sur la courbe en vert, la domestication animale, l'arc et la flèche, les villes, les routes, les chemins, les âges des métaux, les moulins à eau, les moulins à vent, la poudre noire, 1250. La poudre noire, ça a été incroyablement différent. Je tue un tout petit humain chétif, il tue avec une arme à feu, il tue un animal énorme, très gros, à distance, il n'y a pas de corps à corps. Allez me tuer un sanglier avec un biface, on voit le résultat, hein. Il a ses chances, le sanglier. C'est tellement facile de faire ça aujourd'hui. Puis après, les vaccins, on en parle beaucoup en ce moment, les avions, les matières plastiques qui nous empoisonnent en ce moment, les antibiotiques, un grave problème actuel, c'est l'antibiorésistance, les ordinateurs, on communique grâce à ça aujourd'hui, avec le numérique, toutes les révolutions diverses et variées technologiques. Et on est passé de, je vous disais, 5 millions d'humains il y a 12 000 ans, à aujourd'hui, on arrive à 8 milliards. Hein. Donc c'est vrai que tout ça est très important à prendre en considération. Et parce que l'humain a eu ces technologies, il s'imagine maintenant sortir du système. Pas du tout. On est composé du même sodium, du même potassium, de la même eau et des mêmes cellules. Et ça ne changera pas. Alors, des crises, il y en a eu, évidemment. On dit souvent, oui, mais là, écoutez, vous inquiétez tout le monde avec vos alertes. Mais il y a eu des crises, bien sûr. Il y a eu des crises. On en connaît 60 depuis 800 millions d'années. Les géologues nous le démontrent très bien. Avec cinq grosses majeures, donc là c'est le livre de Bruno David aussi du mois dernier, est-on en train de mettre en place les conditions d'une nouvelle crise d'extinction, une grande qui serait la sixième. Regardez, je vous ai mis des trilobites à gauche ici, ils vont entièrement disparaître à la charnière entre la fin de l'ère primaire et le début de l'ère secondaire. Il n'y aura plus jamais. Les coraux tabulés vont disparaître pour toujours. Je vous ai mis des ammonites, une partie va s'effondrer à cette époque-là, un autre groupe va repartir, il va marquer toute l'ère secondaire. Et elles partiront à la charnière, entre l'ère secondaire et l'ère tertiaire. Et puis, je vous ai mis des oursins, on aime beaucoup les oursins au muséum aussi. Vous voyez ici qu'il y avait beaucoup d'oursins. Aujourd'hui, il y a 700 à peu près, 700 espèces d'oursins connues sur la Terre, toujours dans l'océan. Froid, chaud, profond, pas profond, salé, moins salé, plus salé. Mais il aime la salinité, l'oursin. Eh bien, figurez-vous, il n'y a que deux qui passent de l'ère primaire à l'ère secondaire. Ce qui veut dire que sans ces deux-là qui sont passés, on n'aurait jamais eu les 700 espèces aujourd'hui que l'on a d'oursins. Et c'est ce papier de nos collègues de l'université de Bourgogne il y a quelque temps à Dijon qui nous disent « Good genes and good luck hein, », il faut les bons gènes et de la chance pour que ça puisse évoluer. Et la résilience peut être très longue. Pour passer de deux oursins il y a 251 millions d'années à trois, il faut 6 millions d'années. Pour arriver à 50 espèces, il faut arriver à 80 espèces, il faut 50 millions d'années. Qui est capable dans sa tête en ce moment, quand vous m'écoutez, moi le premier hein, à imaginer ce qu'est un million d'années. Et c'est là souvent qu'on est en désaccord avec les mathématiciens qui nous disent « mais vos probabilités en évolution, elles sont trop faibles, n'existent pas. Ça se produit, c'est un miracle. » Non, c'est que tout simplement, les temps sont tellement longs que même le fait le plus improbable possible, ben, il finit par se produire un jour. Hein. Ce que j'appelle souvent la contingence, c'est le fait que, réfléchissez un petit peu à cela, vous avez vécu des événements dans votre vie qui vous ont bouleversé. Eh bien, ils auraient très bien pu ne pas se produire. Et pourtant, ils vont totalement changer votre vie dans le futur. C'est comme ça que l'évolution se continue. Et ça veut dire qu'un événement qui va survenir, eh bien, la solution, en fait, ça va être totalement dépendant de toutes les conditions, de l'endroit et du moment auquel ça se passe. Et ça, on l'oublie un petit peu trop, bien sûr. On appelle ça la contingence. Alors voilà une belle image. Moi, c'est sûrement le moment de plus grande émotion que j'ai vécu dans ma vie, celle... J'ai eu la chance d'aller deux fois à l'original de Chauvet avec Jean-Marie Chauvet. Bon, ben, il y avait en France, en Ardèche actuelle, il y avait des lions, il y avait des rhinocéros, il y avait des hyènes, il y avait des panthères, des chevaux, bien évidemment. C'est ça, 37 000 ans, deux fois plus vieux que Lascaux. Et bien, ces humains-là ont été capables de dessiner ceci sur les fonds de cette grotte qui est profonde. Hein. Et bien, elle fait 300 mètres de long. Et là, quand vous regardez ces dessins, la question qui vous lancine, mais pourquoi ils ont fait ça? Ça ne sert absolument à rien pour survivre. Ça devait pour eux, dans leur tête, servir à quelque chose, bien évidemment, spirituellement. Et c'est là que l'humain se démarque de notre système.
Alors, ça, c'est le graphe le plus difficile que j'ai à vous montrer. En vert, c'est l'effondrement des vertébrés depuis 10 000 ans. Ça, selon les espèces, hein. En bleu, animaux domestiques. C'est que les animaux vertébrés, là. Et en rouge, les humains. Donc, vous voyez effectivement qu'on assiste, et c'est ce que confirme ce matin le travail que je vous citais en ouverture, le travail de l'UICN. Allez sur Internet, vous allez le trouver, hein. Eh bien, en bleu, donc, ce sont les vaches, les cochons, les poulets, les moutons, les chevaux, les chèvres, les chats et les chiens. Eh bien, ils explosent. Et aujourd'hui, c'est vrai que ces animaux domestiques, aujourd'hui, font plus de biomasse que tous les animaux sauvages. Donc, c'est une vraie question d'effondrement des espèces et du vivant, qui amènera, si on ne fait rien, à une crise d'extinction, on est bien d'accord. Alors voici les papiers qu'ont fait partir Nicolas Hulot à l'époque quand il était ministre. Hein. Effondrement des oiseaux dans les terres agricoles. À Poitiers, chez vous, on avait travaillé beaucoup par là. 30% des oiseaux des champs, banals, ils sont partis. Sur 15 ans, pour les insectes qui volent, il manque les trois quarts sur 27 ans. Ce n'est pas des espèces disparues, hein. C'est simplement des individus dans les populations. Une des espèces les plus abondantes d'oiseaux sur la planète, qui était le pigeon migrateur, qui vivait aux États-Unis à la fin du 19e siècle, mais avec des quantités incroyables. On retrouve des textes de pigeons qui attaquent des diligences, vont entièrement disparaître. Il n'en reste pas un seul au début du 20e siècle. La vigogne, elle est sauvée par quelques individus en Amérique du Sud. Le bison d'Amérique, ultra abondant, va quasi disparaître, on va le sauver, mais courageusement, quelques individus, ils s'y refaient un peu une santé à l'heure actuelle. Ce papier australien, qui a maintenant 2 ans, nous disait, mais partout, les insectes s'effondrent. Et les écosystèmes terrestres ne peuvent pas vivre sans les insectes. Même ceux qu'on aime, on n'est pas fichu de les protéger. Les lions, les tigres sont en train de partir, il reste 6-7% des tigres, un peu plus de lions, le guépard est en train de partir aussi aujourd'hui. Ils vivaient en Afrique et en Asie. En Asie, il ne reste plus que quoi? 50 guépards en Iran. Ils vont partir dans les mois, les années qui viennent. Détruits par des chiens de guerre qui mangent les portées des mamans guépards. Et il n'y en a plus en Asie aujourd'hui. Ils ont tous été massacrés. On a fait disparaître la moitié des éléphants en 40 ans, la moitié des girafes. Pourquoi? Et c'est là que je me lance souvent aussi cet appel. Ce ne sont pas des femmes qui tuent les girafes ni les éléphants, toujours des hommes. Donc, il y a une vraie question qui est posée aussi sur ce regard qu'on a aujourd'hui sur la nature. Alors, les plaies de notre crise écologique, c'est le productivisme agricole. On peut très bien le changer. Je pense qu'on a pris la bonne voie, mais il va falloir accélérer un peu le processus. Moi, j'y crois très fort à ceci. Vous avez beaucoup d'exemples intéressants près de chez vous à Poitiers. L'eau, on en a parlé, hein. Il faut bien sûr la considérer infiniment mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. La pêche, pêcher, oui, pourquoi pas, mais pas surpêcher. On dépasse les seuils de renouvelabilité. La forêt, on l'a vu, elle s'en va. La forêt tropicale humide, elle part à la vitesse de la surface de la Grande-Bretagne chaque année. À la fin de ce siècle, on n'en aura plus, si on continue comme ça. Le vivant s'effondre, on en parle. On pollue tout partout. Ça, c'est un drame terrible. Il n'y a pas que les plastiques, hein. Les métaux lourds, les fameux perturbateurs endocriniens aujourd'hui, hein. Là aussi, ces six-là, on peut faire quelque chose. Moi, j'y crois fort, parce que c'est que tout le monde est de bonne volonté, du citoyen jusqu'à l'homme politique. On peut modifier ça. Le dernier, où c'est beaucoup plus compliqué, c'est le climat. Parce que malheureusement, on s'y prend trop tard. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire du tout, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis simplement qu'aujourd'hui, on ne peut plus empêcher le changement climatique. Il est parti. Et même nous, scientifiques, on est surpris par la célérité du changement. On perd nos glaciers continentaux. Et c'est différent selon les régions du monde, hein. On a perdu en 30 ans en glaciers en Amérique du Sud ce qu'on avait perdu en 3 siècles en Europe depuis le petit âge glaciaire. Donc, c'est vrai que c'est très, très, très préoccupant, bien évidemment. Comment on prend ça à bras le corps? C'est la vraie question. Alors, voilà les questions lancées. Est-on en train de mettre en place une nouvelle crise d'extinction parce qu'on détruit et on pollue? On surexploite, on dissémine tout partout et le climat change. Ce sont les 5 raisons aujourd'hui de l'effondrement de ce vivant. Regardez ce petit dinoflagellé en bas qui s'appelle Alexandrium. Ben, il fait le tour du monde dans des cuves de pétroliers géants et il tue un humain en 20 minutes si vous le rencontrez. Donc en bas, vous avez des légionella, des bactéries dans des cuves de pétroliers géants. Donc c'est vrai et qui font le tour du monde gratuitement en passagers clandestins. On pêche de moins en moins de poissons, de plus en plus petits. On a détruit tous les gros animaux de la planète en pêche sur 18 ans. Donc c'est là que cette accélération-là, liée à l'effondrement des ressources d'un côté
et à la démographie humaine sont, je répète, très préoccupantes, ça c'est clair, hein. Mais je ne veux pas tomber dans le catastrophisme, je vous donne des faits. Alors on a créé pour ça IPBES, qui est l'équivalent un petit peu du GIEC, de IPCC pour le climat, et qui a fourni son rapport, retrouvez-le tout à l'heure sur Internet, hein. Ça sort le 6 mai 2019, hein, ça va faire 2 ans, où là, 3 années de travail, eh bien, les experts, de 400 experts internationaux sortent le rapport nous disant que si on continue comme ça, on va perdre 1 million d'espèces dans les années qui viennent, et que déjà, ceci a démarré et va réduire les espérances de vie de l'humanité si on continue comme ça. Alors, la presse s'en empare. L'humain est le plus puissant moteur des changements. Les scientifiques crient à tous les chefs d'État le 14 novembre 2017, « Il sera bientôt trop tard si on ne fait rien ». C'est ce que dit aujourd'hui l'UICN dans son rapport de ce matin. Hein. Le président Macron est élu et puis il crée en décembre 2017, 2 ans après la COP21, un événement qui est le sommet de la planète, où il va crier à la face du monde, « Nous ne prenons pas le chemin financier de réussir l'accord de Paris ». Malheureusement, qu'est-ce qu'il a fait depuis? C'est la vraie question. Et puis, le travail récent, lors du rapport de l'IPBES, il y a un peu moins de 2 ans, on dit « il n'est pas trop tard pour agir ». Bien sûr, il n'est jamais trop tard pour bien faire, pour moi. Jamais, je dirais à mes étudiants, c'est foutu, jamais, surtout pas. Par contre, il est clair qu'on leur donne un monde avec un handicap. Hein. Ils ne pourront pas vivre comme nous. Et ça, ça va changer les mentalités. Ça va nous obliger, j'espère, à réagir. Alors, le climat qui change, vous le savez très bien, je ne vais pas en parler très longtemps, mais simplement, les 3/4 des données qu'on a sur le climat qui change, c'est l'observation satellitaire de la Terre. Hein. On a des satellites qui sont capables de mesurer le niveau de la mer au millimètre près. Donc, on fait des débats, on discute, niveau de la mer, la température de l'océan, de l'air, et puis on remonte ce niveau de la mer à gauche, là, qui a monté beaucoup il y a 10 000 ans, qui était freiné et qui repart à la hausse maintenant, à droite, en bas. Très préoccupant, bien évidemment. Vous voyez, je suis sur l'image en bas, au milieu, avec Bertrand Piccard, l'homme de Solar Impulse, et Thomas Pesquet, qui va repartir là, donc, dans l'espace, et avec un climatologue du CNES. Et là, on fait une conférence sur quel est le rôle des cosmonautes, astronautes, hein, dans la compréhension du changement climatique et de l'alerte des populations à ce danger-là, bien sûr, qui se met en place tout doucement et qui s'accélère beaucoup. Hein. Question ici pour des agronomes, hein, un travail fait par l'INRA sur les forêts de l'Est de la France. Hein. En vert, c'est la réalité, en rouge, c'est le modèle. Ben, vous voyez qu'à gauche, sur le terrain de base, les arbres ne vont pas assez vite par rapport au changement climatique. Alors qu'en montagne, ils ont fait le boulot à droite, hein, ils montent. Ils sont montés de 100 mètres sur 18 ans. Mais en plaine, ils n'arrivent pas à faire la route. Le climat change trop vite pour leur permettre, à des arbres qui courent quand même pas très vite, hein, de s'adapter en fonction de ces changements d'hiver. Un oiseau, il va beaucoup plus vite, ou un papillon qu'un arbre, c'est absolument évident. Alors, ce qu'on oublie souvent, c'est que le climat, bien sûr, influe le vivant, mais on oublie que le vivant qui s'en va, en retour, influe le climat. Travail fait ici par des collègues de l'INRA sur des forêts tempérées ou sur des forêts tropicales, et c'est clair que ça modifie intensément le système. Hein. S'il n'y a pas d'arbres, il ne pleut plus. S'il pleut plus, il n'y a pas d'agriculture. Donc, question très, c'est pareil pour le niveau marin, vous allez le voir aussi. Alors voilà, pour le climat, on laisse faire. On va se prendre 4 degrés dans les gencives d'ici 2050, 2100, je ne sais pas trop quand, hein, c'est des précisions. Hein. Et ça va rendre une Terre inhabitable. Ou alors on agit, mais résolument. Hein. Résolument, ça veut dire laisser là où ils sont 80% des gisements actuellement connus de pétrole et de charbon. Et là, on peut espérer peut-être 1,5 à 2 degrés. À 2 degrés, on va perdre le corail. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est 30% des espèces de l'océan, le corail. Donc, l'avenir est entre nos mains. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la vraie question. Sachant que la lutte contre le changement climatique est la plus difficile. Hein, parce que c'est parti, il faut qu'on freine l'accélération. Et deuxièmement, qu'on commence à retirer le CO2 qu'on a déjà mis. C'est compliqué. Et qu'on commence surtout à adapter nos populations. Hein. Vous avez au niveau de la mer aujourd'hui des gens qui vont devoir se retirer du trait de côte. Hein. On ne pourra pas rester là où on est à l'heure actuelle. L'avenir agricole, c'est demain nourrir 9 milliards d'humains. Produire plus sans augmenter les surfaces agricoles, ne pas gaspiller l'eau, arrêter les produits dangereux, c'est évident qu'il faut arrêter. Ce qu'on oublie quand on parle de pesticides, on dit oui, c'est pour sauver des emplois. Là, c'est très clair, on oublie que ces produits sont dangereux et toxiques. Ces produits modifient le développement cérébral des bébés intra-utéro. On ne peut pas continuer à dire et ignorer ça, ce n'est pas possible, c'est incroyable. On ne tient pas compte des externalités, bien évidemment, de tous ces gens qui s'empoisonnent avec ces produits. Faire des produits sains, ne pas détruire le vivant, en tirer parti,
Faire la polyculture, c'est la clé. Hein. Si on veut faire autant de production sur les mêmes terrains qu'aujourd'hui, en faisant plus, ça peut se faire qu'en faisant plusieurs plantes à la fois au même endroit. Certains savent très bien faire ça, ça marche. Créer de l'emploi, ça veut dire que l'emploi n'est pas que dans les villes. Quel type de mécanisation? Et puis surtout, tout à l'heure, je vous l'ai dit, ramener de la vie dans les sols, ça c'est essentiel. Donc, nous voulons des coquelicots. Le milieu marin, c'est pareil. Je vous ai mis des milieux marins idylliques, le récif corallien, on en a parlé un petit peu, les herbiers en Méditerranée, les mangroves, cette association étrange entre le liquide et puis le terrestre, et puis la deep sea, la mer profonde. Ça, c'est l'océan tel qu'il est là depuis le démarrage. Aujourd'hui, l'océan, c'est ça. Où que vous alliez. Tara a fait l'expédition plastique Méditerranée, et c'est monstrueux. Il y en a absolument partout. On en est tous bourrés. Il n'y a plus un poisson qui soit indemne de plastique. Il y aura bientôt plus de masse de plastique que de phytoplancton dans l'océan, de plancton dans l'océan. C'est transparent, les baleines les mangent, il y en a partout. Et ça, c'est incroyable. Parce que, allez, imaginez qu'un sac de plastique qui vous sert 20 minutes pour ramener vos tomates du supermarché dans votre cuisine va rester des centaines d'années dans l'océan. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. On ne peut pas s'appeler sapiens avec de tels comportements, bien sûr. Hein. Un exemple sur la pêche que j'aime beaucoup ici. On fait de la science sur des coupures de journaux, des concours de pêche ici en Floride, 1926, 57, 80, 2007. Ben oui, le champion du monde, il est champion avec un poisson de 140 grammes en 2007, alors qu'on pêchait des poissons d'une tonne au début du XXe siècle. Regardez ces morues en bas avec ce petit garçon. Les petits garçons font la même taille. Les morues faisaient 200 kilos. La plus grosse morue, elle fait quoi, 25 aujourd'hui. Donc vous voyez que, en fait, pourquoi? Parce que tous ces poissons sont pêchés avant de devenir vieux. Ils ne peuvent pas devenir aussi grands qu'ils l'étaient auparavant. 500 années d'harmonie de pêche à la morue sur les bancs de Terre-Neuve. Quelques chalutiers industriels à la fin des années 90 et ont détruit, non pas la morue. Quand les écologistes, la morue a disparu. Ce n'est pas vrai, il reste des morues. Mais ce qu'on a détruit, c'est le stock de Terre-Neuve, très clairement, bien sûr. Ils ne sont pas revenus. Donc, c'est des questions qui sont tellement, tellement essentielles aujourd'hui. La surpêche. Voilà, tout là, je vous ai montré les effets du climat qui changeait sur le vivant. Et l'inverse, et bien là, c'est l'inverse pour la mer. C'est-à-dire que si je pêche tous les poissons pélagiques, sardines, maquereaux, chinchards, anchois, ça, c'est les gisements du Pérou ou de Namibie, j'effondre les oiseaux qui les mangent, j'ai tout pêché. J'effondre des baleines et les otaries qui les mangent, et j'effondre des poissons de bout de chaîne qui les mangent, y compris les thons, qui sont super intéressants pour les pêcheurs. Comme ils ne sont plus là, qu'est-ce qu'ils mangeaient, ces animaux? Qu'est-ce qu'ils mangent? Du zooplancton, des larves d'animaux marins. Lui, il explose, puisqu'il n'y a plus de prédation. Et qu'est-ce qu'il mange, lui? Du phytoplancton, du plancton végétal. Or, ce plancton végétal, on le sait très bien maintenant, joue un rôle dans l'océan vivant de captation du gaz carbonique. Donc, si vous surpêchez, vous changez le climat. C'est là qu'on est sur des choses qui sont incroyables. C'est ça, l'écologie. C'est la science des relations entre les êtres vivants, entre eux et avec leur environnement. C'est fondamental d'y penser en permanence. Il faut développer une culture de l'impact. Si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, les jolis travaux qui ont été faits sur l'océan. Là, on a analysé des centaines de papiers. Plus de 200 papiers qui montrent qu'aujourd'hui, liés au changement climatique, puisqu'il n'y a pas de barrière dans l'océan, on l'a dit tout à l'heure, eh bien, les espèces montent vers le nord dans l'hémisphère nord, vers le sud dans l'hémisphère sud, et que par exemple, aujourd'hui à la pointe bretonne, nos poissons font 27 km par an vers le nord. Le plancton, 47 km par année vers le nord. Donc vous voyez que ça change considérablement. Puis, et quand ils vont être rendus là-haut, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont faire comment? Les pêcheurs le savent, qui suivent les thons. Chaque année, ils ne pêchent pas les thons au même endroit que l'année précédente. Et ça s'accélère en permanence. Donc l'océan est profondément en train de changer et nous montre justement ces changements. Un océan en bonne santé est fondamental pour qu'il puisse continuer son rôle de régulateur du climat. Voilà l'aspect social que j'évoquais tout à l'heure. Le principal risque, c'est la pauvreté. Donc aujourd'hui, on a 300 maladies nouvelles en France depuis 1940. 300. Il y a un très beau livre écrit par un médecin qui s'appelle Bernard Swingedo, il y a quelques années, qui s'appelle « L'homme malade de lui-même », où il raconte en médecin, il était directeur de recherche à l'INSERM, comment ces maladies nouvelles sont apparues. Alors, si on exclut celles qui sont liées à l'âge ou à l'exposition au soleil, elles sont toutes liées à des problèmes d'environnement, pollution atmosphérique, pollution de l'eau, toxique, infections bactériennes et virales nouvelles, risques immunitaires, risques métaboliques. Donc tout ça, c'est pour vous montrer qu'il y a des relations évidentes entre le vivant,
son état, et la santé humaine, ce qu'on appelle nous One Health, hein, un seul projet sur la santé des écosystèmes, des arbres, des plantes, hein, des animaux et des humains. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux qui démarrent là-dessus, dont d'ailleurs une très grosse action lancée avec vous à Poitiers, en Nouvelle-Aquitaine, hein, par la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, bah, ça va être j'arrive à ma conclusion. Hein. Qu'est-ce qu'on fait à long terme maintenant, sachant tout cela? Ne pas être totalement catastrophé ou horrifié, désespéré, surtout pas, parce que si on fait ça, ça ne va pas s'arranger. Hein. La réaction, c'est « we have to change ». Mais comment est-ce qu'on change? Climat, accès à l'eau, gestion des déchets spatiaux, des villes, déchets nucléaires aussi, stockage du CO2, évolution du vivant, quel mode de gouvernance? Et pour moi, j'ai deux actions auxquelles je participe qui m'intéressent beaucoup. D'une part, les sciences participatives. Tous les citoyens s'y mettent, ils s'y collent tous pour participer à l'action générale de la connaissance de la situation et à son amélioration. Et le second aspect que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le biomimétisme ou la bio-inspiration. Voilà un travail récent fait grâce à vous, grâce aux citoyens. Là, c'est quand même 1,5 million d'heures d'observation. 10 000 personnes sur 18 ans qui montrent que nos oiseaux ont fait 33 km vers le nord en 18 ans et nos papillons 114. Si on gagne 1 degré de plus, ils devront aller vers le nord de 250 km. Donc, vous voyez les changements profonds liés par ce climat qui change. Et puis, ça, le mimétisme, s'inspirer du vivant. Vinci disait déjà à l'époque, « Prends tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. » Alors, les winglets d'avion que vous avez ici, ce train ultra rapide, ultra silencieux au Japon, inspiré du CX, hein, de la tête et du bec du Martin Pêcheur, ou de l'implantation des plumes de hibou. Le hibou, s'il fait du bruit, il ne bouffe pas, de toute façon. Donc, il a dû inventer ça, hein, c'est clair. Sinon, il n'aurait pas existé. Hein. Ce petit coléoptère en Namibie sait faire de l'eau en plein désert, là où il ne pleut jamais. Cette micro-éponge en Méditerranée sait faire du béton armé. Vous avez des diatomées qui font du verre incroyable, de bien meilleure qualité que le nôtre, à des pressions et des températures élevées. C'est ça, le biomimétisme. Alors, vous irez voir ce soir, sur Internet, CEBIO, C-E-E-B-I-O-S, et là, vous aurez ce qu'on fait en France sur ces questions du biomimétisme. Voilà, pour conclure, quel est l'avantage du vivant par rapport à ce qu'on fait, nous? Eh bien, le vivant, il innove en permanence depuis la nuit des temps. On sait qu'une entreprise actuellement qui n'innove pas, elle est foutue. Hein. Elle va disparaître rapidement dans la compétition entre les entreprises qu'on lui met sur la tête. Hein. Même si je répète que la compétition n'est pas de loin la seule réaction qu'on a entre personnes qui travaillent sur des sujets. En plus, l'intérêt du vivant, c'est que quand il innove pour tous, y compris pour les gilets jaunes. Ce qu'on ne fait pas, nous, dans nos industries actuelles. Tout se fait dans la nature avec une énorme économie d'énergie. Je rappelle que libellule, elle vole à 100 km/h avec 2 watts. En accélération, elle encaisse 30G, 30 fois l'accélération de la Terre. Vous, je vous mets sur un manège pendant. On va vous centrifuger à 5-6 G, c'est le maximum qu'un pilote de guerre peut supporter. Hein. Vous vomissez votre 4 heures, vous avez payé 10 euros sur votre manège. Elle est là 30G, mais comment elle fait depuis 245 millions d'années? C'est ça la question, en fait. Le vivant fait tout. Cela sans jamais faire une substance qu'il ne sait pas dégrader. Et c'est là qu'on a inventé 50 000 molécules depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale de synthèse, dont les pesticides, mais il n'y a pas que, hein, qui nous empoisonnent tous les jours. Parce que ni l'humain, ni la nature ne savent les dégrader. Dans la nature, il y a toujours un acheteur pour un déchet, tout le temps. Sinon, le déchet, depuis longtemps, n'existerait plus. On fait des déchets, bien sûr, ça va servir à une autre espèce. Le vivant travaille dans les conditions ambiantes, température basse, pression ambiante normale, une atmosphère, ça c'est très très important. Et le vivant travaille avec les éléments riches, abondants de la Terre. Comme vous voyez aujourd'hui les terres rares hein, qu'on utilise de façon outrancière pour faire des tas de choses, bah, comme leur nom l'indique, demain elles sont tellement rares qu'on n'en aura plus, on ira les chercher où? Sur les satellites de Jupiter? Je ne sais pas. Mais c'est une vraie question. Donc ma conclusion là-dessus est très claire, économique, c'est stopper l'économie actuelle stupide et suicidaire, je pèse mes mots, hein, qui consiste à gagner de l'argent, à faire du profit, en détruisant ou en surexploitant la nature et la biodiversité. Et ça, chaque étudiant qui m'écoute, là, doit s'en imprégner. Quoi qu'on fasse, quelle que soit notre discipline, y compris les sciences humaines et sociales. Hein. Aujourd'hui, on résoudra nos problèmes par des mathématiques, de la physique, de la chimie, de la biologie, de l'écologie, mais aussi de la sociologie, de la géographie, aussi, bien sûr, de l'anthropologie, et même de la philosophie, bien sûr, évidemment.
Et je vais conclure par de la philosophie avec mon vieil ami Edgar Morin. C'est ça qui est absolument essentiel à prendre en considération. Regardez aujourd'hui les progrès de l'humanité. Alors ça fait rêver les gens. Depuis 140 ans, on mange deux fois plus en France. Hein, on mange beaucoup trop, ça c'est clair, on mange trop, ça c'est clair. Donc, pour l'humain qui a les moyens de se payer à manger, on est bien d'accord, hein, je prends ça en moyenne. On a gagné 15 cm en taille. Vous savez quels sont les humains les plus grands sur la Terre aujourd'hui en moyenne? C'était bien travaillé il y a quelques années, hein, ce sont un, les Hollandais, tout pays confondu, deux, les Danois. 15 cm en 140 ans, 30 kilos, y compris l'obésité. On a gagné 35 ans d'espérance de vie. Aujourd'hui, en France, c'est 84 ans pour les femmes et 80 pour les hommes, en ce moment-là, au moment où je vous parle. Alors, ça a augmenté tous les ans. Les femmes françaises prenaient 3 mois d'espérance de vie depuis longtemps et ça s'est arrêté il y a 10 ans. Aujourd'hui, on ne vit pas plus vieux. On est plutôt en train de diminuer l'espérance de vie moyenne et le Covid ne va pas arranger les choses. On a multiplié les humains par 7. On a multiplié les rendements en agriculture par 10. Alors, la question, c'est... est-ce qu'on peut progresser comme ça indéfiniment en permanence? Ou alors tomber dans des systèmes d'humains augmentés? On va cloner des types à 2,42 m et puis vous produire des types qui font 140 kilos et qui courent le 100 mètres en 11 secondes. Dans quelles conditions? Est-ce qu'on en aura le temps? J'en suis pas convaincu. Hein. Regardez ici les limites de la durée de vie chez l'humain. Hein. Un travail japonais publié il y a quelques années. Vous voyez effectivement qu'on voit très bien les traces des guerres hein, durant le XXe siècle. En rouge, ce sont les femmes, en bleu, les garçons. Donc, effectivement, on a de plus en plus de centenaires, c'est très, très clair, ça. Par contre, on n'augmente pas du tout la durée de vie absolue. Jeanne Calment reste la record woman du monde connue, décelée, hein, 122 ans et 164 jours. Elle est morte il y a 11 ans maintenant. Et la moyenne actuelle de l'humanité, c'est une Japonaise qui a 117 ans. Mais il n'y a pas de 130, 140, 150. Pour l'instant, ça n'existe pas. Alors, on va vous les faire par la technologie. Vous allez voir si c'est ça le futur. J'y crois absolument pas. Regardez ce travail qu'on a publié il y a quelques années avec nos collègues américains. J'ai pris trois sports olympiques que j'aime bien en athlée. En bleu, le 800 mètres plat, la course à pied. En vert, le saut en hauteur. En rouge, le lancement du poids. Un lancer, une course, un saut. À gauche, les femmes. À droite, les hommes. Ben, regardez, on est au taquet partout. Là, je vous ai mis les 10 meilleures performances de l'année. Hein. Eh bien, regardez ce qui se passe à gauche chez les femmes. Alors, d'abord, ce qui est incroyable, c'est qu'on n'a aucune performance sur Internet marquée de femmes. Ça n'a jamais été mesuré. Comment courait une femme, comment sautait une femme, comment elle était capable de lancer du poids. Ça ne se faisait pas. Pas de valeur, on commence vers 1920. Et c'est vrai que quand vous regardez ça, vous dites finalement que en rouge, à gauche, comment expliquez-vous aujourd'hui qu'aucune femme aujourd'hui ne lance le poids aussi loin que les Allemandes de l'Est en 1986? Étrange, c'est ça l'humain augmenté? On traitait les petites filles avec de la méthyltestostérone dans le biberon, voilà. Alors si effectivement c'est ça l'humain augmenté, je n'ai pas envie de vivre cette époque-là de l'humanité. Donc restons humains et surtout acceptons nos limites, c'est tellement, tellement, tellement important. Pour finir, un peu de philosophie. Sri Aurobindo disait à une époque où il n'y avait ni écologisme ni écologie, l'homme ne peut plus désormais supporter le développement gigantesque de la vie extérieure sans un changement intérieur. Et il disait plus loin, si l'homme veut survivre, il faut une transformation radicale de la nature humaine. Et pour un biologiste comme moi, je pense qu'il y a beaucoup de biologistes qui m'écoutent aussi ici, là, eh bien ça s'appelle une métamorphose. Est-on capable de cette métamorphose? C'est la vraie question. Voilà Edgar Morin qui dit que la Terre, en fait, c'est un vaisseau spatial à 4 moteurs, la science, la technique, l'économie et le profit. Ouais, ok, dans une économie capitaliste, on peut imaginer autre chose. Mais il dit, le drame, c'est que chacun de ces moteurs-là est très ambivalent. Il peut être très bon pour l'humanité ou au contraire très mauvais pour l'humanité. Et là, il tombe dans ce qu'on dit souvent, le probable est catastrophique. On va vers l'abîme. Oui, si on ne change pas, parce que je suis d'accord avec lui quand il dit, mais il y a toujours eu de l'improbable dans l'histoire humaine. Le futur n'est jamais joué, et c'est là qu'est mon espoir vis-à-vis de mes jeunes étudiants, je ne suis pas là pour les désespérer. Il faut une métamorphose, on l'a dit, elle n'est pas prévisible. Il nous faut une conscience humanitaire planétaire pour tous. Et comme dit Edgar Morin, que vous connaissez bien à Poitiers, eh bien, on est Faber. Hein. La preuve, c'est qu'on peut communiquer ici, aujourd'hui, là où vous êtes, tranquillement, vous me voyez, je vous regarde, je vous écoute. On n'est pas sapiens, ça c'est clair, hein. Vu tout ce qu'on vient de raconter, on est pas mal démence, dit-il. Et il disait au président Macron, l'an dernier,
à force de sacrifier l'essentiel à l'urgence, c'est ce qui se passe tous les jours hein, dans nos journaux, à la télé, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Ça, c'est absolument. Et c'est là que le coronavirus 19, et je vais terminer là-dessus, est un magnifique exemple de ce qui peut se passer. 15 gènes, ce virus, 15. Nous, on en a 29 000 tous ici en train de discuter là. Hein. Comment ces 15 petits gènes, sans aucun dessin intelligent, il n'a pas de tête, il n'a pas de pattes, simplement, c'est un parasite, donc il veut se reproduire, et lui, il ne sait pas le faire tout seul. Donc, il faut qu'il devienne infectieux dans une cellule qui va l'accepter. Et pourquoi, ce qui n'aurait pas dû se passer, ces produits, durant 2019, ce virus qui est un virus de chauve-souris, et je suis formel, ce n'est pas un truc à inventer dans un labo, ça n'a aucun sens. Hein. Qu'il ait été bricolé, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, celui-là, il vient d'une chauve-souris, probablement Rhinolophus affinis. Au muséum, ça fait 20 ans qu'on traîne dans les grottes chinoises du Cambodge, en Asie du Sud-Est. Il y en a, on a trouvé 400 virus différents dans ces chauves-souris. Mais pourquoi celui-là est-il devenu infectieux pour l'humain, quelque part en 2019? C'est la vraie question. Donc ce qui n'aurait pas dû se passer, c'est passé, parce qu'on a fait tout et n'importe quoi. Et puis enfin, ce qui est aussi effarant, c'est la distribution de ce virus qui, en quelques jours, a fait le tour de la Terre. Les avions les ont emmenés absolument partout. Voilà, c'est ma dernière image pour vous montrer qu'on a aujourd'hui absolument le devoir impérieux de changer et que si on ne change pas, effectivement, la sécurité globale mondiale va se poser puisque les pays qui sont très prolifiques en démographie, hein, je rappelle qu'aujourd'hui, c'est le Niger où la fécondité est la plus grande chez les femmes, à peu près 8 enfants par femme. Même en Inde, ça a beaucoup baissé, hein. En Inde, aujourd'hui, ça doit être 2,2, 2,3. C'est à 9 en France, hein, enfants par femme. Et vous voyez que par manque d'eau, par manque de nourriture, par destruction des cultures et des élevages, eh bien, ça va déclencher des migrations de l'humain. Et c'est là que la question se pose, justement, tous les jours au niveau politique, géopolitique. Comment est-ce qu'on règle ces questions-là? Donc voilà, ma conclusion va être très claire. Il faut qu'on perde nos trois défauts les plus grands, qui sont l'imprévoyance, se dire à chaque fois, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Deuxièmement, l'arrogance, hein, toujours meilleur que les autres, surtout les garçons, encore beaucoup plus que les filles. Et troisièmement, la cupidité. Voilà. Si on arrive à éliminer ces questions humaines, alors voilà, ma question posée dans un article qui va sortir très bientôt, c'est la COVID-19, deux points, un électrochoc collectif salutaire. Je l'espère de tout mon cœur. Merci. Très riche, hein, donc j'encourage le public à poser donc les questions. Et donc c'est vrai que moi je voulais reparler de l'actualité avec le Covid, mais comment dire, vous en avez parlé à la fin. Donc je crois qu'il y a une question, je vois sur le chat. Alors merci pour votre conférence, très intéressante. Que pensez-vous de notre rapport aux animaux, que ce soit pour l'alimentation ou leur utilisation en science et en médecine? Alors, pour moi, c'est très clair. Bon, d'abord, dans le mot animaux, c'est compliqué parce que où est-ce qu'on met la limite? Pour un zoologiste comme moi, ça commence, l'animal commence aux éponges. Hein. Donc, on commence avec les éponges. Parce que souvent, quand je parle avec les gens, ils font une grosse différence entre une huître et un chien. Alors que l'huître est un animal et le chien aussi est un animal, comme l'humain est un animal d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on a un irrespect total pour le monde animal, c'est clair, alors qu'on lui appartient à ce monde animal. L'homme, autant la physiologie de l'humain, nous mangeons, nous respirons, nous buvons comme n'importe quel animal, on en a absolument besoin. On fait partie de ce grand groupe des animaux, on ne les respecte pas. Quand vous pensez que pour le droit français encore aujourd'hui, un animal c'est un meuble, hein. Et puis, ce qui mérite beaucoup aussi, moi, avec le monde en particulier de la chasse aussi, c'est qu'on ne considère comme animal que le domestique. Alors que, je suis désolé, moi, un blaireau, un lapin, un chevreuil, il a aussi autant d'importance pour moi qu'un chien, un chat ou un cochon. Donc, les relations, elles sont aujourd'hui délétères. Même le droit, en fait, ne règle pas du tout la situation aujourd'hui. Donc, on a une revue qui s'appelle Éthique animale, avec laquelle on travaille beaucoup aujourd'hui. Avec Chantal Jouanneau, qui à l'époque était secrétaire d'État, on a pas mal travaillé là-dessus. Monsieur Schweitzer aussi, qui est le directeur de la revue, a travaillé beaucoup sur cette éthique animale. Donc, aujourd'hui, le bien-être animal. Alors, après, on peut relancer le débat sur la consommation de viande. C'est un autre débat. Moi, je comprends parfaitement que des gens soient véganes, évidemment. Par contre, je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui dire à tout le monde « vous devez devenir ». Par contre, consommer beaucoup moins de viande, c'est absolument évident. Hein. Moi-même, je ne mange pratiquement pas de viande, mais je mange du poisson, vous voyez, donc il y a des paradoxes hein, qui existent toujours. Mais c'est vrai que pour répondre à notre personne qui pose la question, on a un irrespect vis-à-vis de l'animal qu'il faut qu'on considère différemment. L'animal est sensible.
Pour la loi française, ça commence uniquement aux poissons, depuis 1988. Hein, avant, les poissons n'étaient pas sensibles pour la loi, évidemment, bien sûr. Hein. Et puis récemment, on y a ajouté un groupe d'invertébrés qui sont les céphalopodes. Hein. Les pieuvres, les calmars ont été décrétés également sensibles, ce qui est tellement, tellement vrai. Et c'est là qu'il faut qu'on revoie toutes nos relations à l'animal aujourd'hui, faire attention aussi, on les consomme, à le faire avec beaucoup de modération, beaucoup de respect. L'abattage est incroyablement important. Vous pouvez détruire par un abattage mal fait et un stress terrible des mois et des années d'élevage faites par quelqu'un qui peut aimer ses animaux. Ça existe, hein. Faut pas non plus jeter du discrédit partout sur les éleveurs. Hein. C'est pas tous d'infâmes, horribles personnages. Donc, c'est, tout ça est très délicat et vous voyez pourquoi il faut autant de sciences humaines et sociales que de sciences dures pour ces questions-là. En tout cas, ce qui est clair, c'est que écologiquement et pour les questions des gaz à effet de serre, il faut évidemment diminuer considérablement la consommation de viande. Merci. Une autre question. Vous pensez qu'il est possible d'entraîner un changement général des comportements qui soit suffisant pour changer notre impact? J'aimerais tellement. Vous savez. Retrouver, vous avez trouvé dans la presse mon papier que j'avais fait dans la revue La Tribune, une revue d'économie. Je voulais toucher les chefs d'entreprise. C'est écrit le 12 mai 2020. On est en plein démarrage de la crise, on est en confinement. Et j'écris en fait un papier dans ce journal qui s'appelle « Notre ennemi n'est pas le Covid, mais nous-mêmes ». Ça n'a pas changé. Et mon dernier qui va sortir, là, c'est donc cette histoire d'électrochoc collectif salutaire. Là. Donc c'est vrai que tout est là en fait aujourd'hui. Donc, il faut que, globalement, on ait un système à quatre piliers. Le premier, c'est la recherche scientifique. Mais vraiment la science. Je suis tellement désespéré depuis un an d'entendre les conneries, excusez les termes, qui ont été dites et écrites sur ce coronavirus 19. Hein. Les fake news, comme on les appelle. Aujourd'hui, on passe notre temps à diffuser des opinions. La science n'est pas du tout une opinion. Et ce qui est très clair durant cette crise du Covid, c'est que les gens se rendent compte que la science n'avance pas du tout. Je parle du fait scientifique avéré. La Terre n'est pas plate, par exemple. Hein, voilà. Un bébé est fait d'eau. C'est des choses qui sont bien connues depuis longtemps. Donc, ça, c'est clair. C'est admis par tout le monde. Et puis, la science en marche. Et c'est là qu'on va me dire, est-ce que telle molécule est active contre le Covid, hein, hydroxychloroquine, ivermectine, quel vaccin. Tout ça, c'est en cours de route. Et les gens sont un peu déboussolés parce que la science dit un truc et puis on dit quelque chose de différent quelques mois, quelques semaines, quelques mois, quelques années après. C'est vrai. Parce que c'est pas encore un fait établi. Alors, ne confondons pas la science établie avec la science en marche. Puis surtout, arrêtons de donner des opinions. Aujourd'hui, vous pouvez dans la rue vous faire interviewer par un type qui vous dit « Est-ce que vous pensez que la molécule du professeur Raoult, l'hydroxychloroquine, est active ?» Le type vous répond, il a une opinion, alors qu'on n'en sait rien. Donc, c'est là que je me dis, c'est pas possible. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut changer cela? Donc, la science, la vraie science. Deuxièmement, ça va être la politique. Quelle politique? C'est pas une politique de l'obsession de la réélection, en tout cas. Hein. Les mesures à prendre pour répondre à notre auditeur, la auditrice, pour qu'on change tous, c'est qu'il faut effectivement des gens qui sont prêts aujourd'hui à faire quelques petits efforts pour éviter beaucoup de souffrances demain. Est-ce qu'on est tous prêts à faire ça? C'est beaucoup moins de consumérisme, beaucoup plus de partage, d'humilité, ça c'est très important. C'est aussi au niveau de nos achats. Hein. Je dis souvent, c'est un chef d'entreprise qui m'avait dit ça, la meilleure carte de vote, c'est la carte de crédit finalement. Arrêtons d'acheter des trucs qui servent à rien ou bien qui sont délétères pour l'environnement, dont on n'a pas vraiment besoin, c'est très important. Donc la politique, c'est un monde politique où si on est obsédé par sa réélection, eh bien on ne prendra jamais les mesures à prendre. Regardez l'histoire des gilets jaunes. Hein. Ça veut dire aujourd'hui qu'il faut absolument être capable de dire aux gens, écoutez, cette mesure, elle va vous embêter, elle va être impopulaire, elle va être difficile à accepter. N'empêche qu'elle est indispensable pour qu'on puisse continuer à vivre ensemble en harmonie. Donc, est-ce que ce monde politique existe? J'en suis pas convaincu. D'autant plus aujourd'hui que, franchement, quand on forme un homme politique, est-ce qu'il est prêt à accepter qu'une mesure qu'il va prendre, qui va le discréditer pour une future réélection, va servir dans 10 ans? Compliqué, hein? Troisièmement, après le monde scientifique et le monde politique, c'est le monde de nous tous, citoyens, ONG. Comment tous on participe, on a envie de faire des sciences participatives, on a envie de discuter, de réfléchir à ces questions particulières, de dire qu'elles sont importantes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Moi, on me dit souvent, on m'aime bien, donc Gilles, écoutez, on vous invite au MEDEF, on m'invite dans des clans politiques, partout. Et puis on me dit, ah, c'est bien ce que vous dites, mais vous avez raison, mais vous savez, pour l'instant, on a des priorités. Non. Les priorités, c'est ça. C'est l'accélération du changement climatique et c'est l'effondrement du vivant. Quand est-ce qu'on va le reconnaître? C'est ça la vraie question. Donc, il faut que nous, citoyens, ONG, on soit très présents sur le système. Et le quatrième pilier, il va vous surprendre de ma part, mais c'est le monde de l'entreprise.
Moi, je ne crois absolument pas à la résolution de ces questions aussi primordiales qu'elles sont, qu'on a vues ensemble depuis une heure ensemble là, sans l'entreprise responsable, entreprise à mission, entreprise qui est un groupe humain qui s'organise pour que les gens qui y travaillent soient fiers d'y travailler. Ça veut dire qu'il faut arrêter. Il y a des groupes, je n'irai même pas discuter avec eux, c'est évident. Si vous passez votre temps à vendre des saletés comme le chlordécone, hein, vous vous rendez compte que pour gagner 5 centimes sur le prix du kilo de banane, dans les années 90, on a détruit les sols de Martinique et de Guadeloupe pour 2 siècles. Ce n'est pas possible. Comment un humain sérieux peut accepter cela? Comment enrichir démesurément quelques-uns pour appauvrir tous les autres et les rendre malades? Les niveaux de cancer du sein ou de la prostate sont absolument incroyables. Il y a des mouvements sociaux que je comprends. Donc, c'est là que ce n'est pas possible de continuer comme ça. Et sur les pesticides, vous avez vu, il y a eu cette semaine, en tout cas, c'est assez incroyable. Il y a des gens, une ONG qui a attaqué les grands crus de Bordeaux en disant qu'on retrouvait des molécules toxiques dans ces grands vins. Et puis, ils sont condamnés parce qu'ils sont OK avec la loi, puisque les substances qu'on trouve sont inférieures au seuil qui sont admis. Comment on fixe un seuil? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on décide? Comment collectivement on est capable aujourd'hui de décider? Alors, ce n'est pas tout en bio, il y a plein d'autres solutions. C'est l'agriculture raisonnée. Parce que c'est vrai que le défi est important à ce niveau-là, hein, pour le monde agricole, les entreprises agricoles, c'est produire plus parce qu'on est de plus en plus nombreux, mais beaucoup mieux sur les mêmes terrains. Parce que si demain, on continue à faire que des terrains agricoles, on va perdre nos zones humides, on va perdre nos forêts tropicales, qui sont les lieux de grande biodiversité non agronomique. Donc, c'est très important. Mais il faut le faire avec eux, pas contre eux. C'est là que souvent… Puis surtout, acceptez, s'il vous plaît, tous qui m'écoutez, de payer le prix qu'il faut pour ce que vous mangez. Privez-vous. Arrêtez d'acheter des choses qui ne servent absolument à rien, inutiles ou farfelues ou secondaires et pas intéressantes. Rémunérons nos agriculteurs. Ceux qui, bien sûr, acceptent de jouer le jeu, bien évidemment. Hein. C'est indécent pour moi de parler de quelques centimes sur le prix du lait, par exemple, par rapport à ce qu'on gagne. Alors on me dit, mais comment font les pauvres pour manger? C'est là qu'il faut trouver des systèmes, effectivement. Commençons par subventionner le bio à son niveau. Aujourd'hui, si je prends les subventions agricoles en France, c'est de l'ordre de 8 milliards pour le productivisme à coup de pesticides. Et c'est quoi, 40 fois moins pour le bio? Donc c'est vrai que comment une jeune femme pauvre avec des enfants va être capable, alors, pas de manger que bio? Pourquoi pas? Et pour ça, il faut que le bio soit à des prix accessibles, effectivement. Et puis qu'on accepte aujourd'hui de mettre un tout petit peu plus d'argent et la priorité sur l'alimentation. Vous savez que dans un panier aujourd'hui d'un consommateur, l'alimentation, c'est quoi? C'est moins de 15% du prix du panier. Il y a 50 ans, c'était plus de la moitié. On mangeait d'abord. Aujourd'hui, ce qui a beaucoup plombé le système, c'est le prix des loyers. Hein. Donc là, il faut revoir ça complètement, bien évidemment. Notre argent que l'on gagne, il passe dans le loyer. Regardez ce qui se passe au niveau des grandes villes. Et voilà pourquoi, après, le mouvement des Gilets jaunes est parti. On les a envoyés à la périphérie des villes ou dans la campagne très loin, donc avec l'indispensabilité d'une voiture, pour des raisons économiques. Donc, vous voyez comment tout est lié, hein. Donc, l'entreprise doit participer en étant responsable. Et puis, surtout aussi, dans l'entreprise, on peut aussi travailler collectivement et puis s'éduquer. Et le maître clé de tout ça, le maître mot, c'est éducation. Par exemple, les gens qui nous dirigent aujourd'hui, on parle beaucoup de l'école d'administration ou de polytechnique, ils ne savent même pas qu'ils sont faits à moitié de bactéries. Et ça, ce n'est pas possible de continuer comme ça. Qu'un chef d'État ne sache pas qu'il est fait à moitié de bactéries, à moitié de cellules humaines, qui, quand il est né, il était fait à 75% d'eau et qu'aujourd'hui, il est fait aux 2/3 de flotte. Arrêtons! Commençons par renseigner l'indispensable. Toute une réforme à faire au niveau de l'éducation nationale aussi, parce qu'elle ne sait pas travailler en transversal. Alors, ces questions qu'on évoque ensemble depuis tout à l'heure, elles sont totalement transversales. Je vous remercie. Je m'excuse parce que je sais que vous êtes limité par le temps et que je vois l'heure avancer. Donc, je voulais prendre quelques questions qui me sont parvenues par le chat. Pensez-vous que l'agroécologie est capable de nourrir le monde? Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on appelle l'agroécologie? Ce n'est pas que le bio, je le répète. Hein. Je crois à l'agroécologie dans le sens de ramener de la vie dans les sols. Sinon, on ne fera plus rien. Hein. Si demain, c'est que des pesticides, du minéral et puis des cochonneries qui sont rotativées et qui sont labourées, on nourrira personne. Mais l'agroécologie, c'est le fait de tenir compte de l'écologie dans l'agronomie. Et surtout, hein, ça passe par la polyculture. Hein. On ne produira jamais suffisamment à manger pour tout le monde si on ne veut pas de polyculture. Arrêtons un champ que de maïs, que de tomates, que de papayes, que de bananes. Ça, c'est fini. Et là, je pense que l'agroécologie peut effectivement donner à manger à tout le monde.
Une autre question, le capitalisme nous mène à notre perte. Pensez-vous qu'un régime socialiste basé sur l'entraide, le partage et l'égalité pourrait être une solution et serait-elle possible? C'est joli sur le papier, mais ça n'a pas marché. Le communisme soviétisme s'est effondré parce qu'il ne tenait pas compte du tout des réalités du marché, justement. Et alors, pour moi, il faut un marché encadré, c'est clair. Sinon, ça ne marche pas. Capitaliste, ça dépend ce qu'on entend sur le mot capitalisme, mais le capitalisme actuel, il va s'effondrer, pareil, parce qu'il ne tient pas compte des réalités économiques. Donc, pour répondre à la personne qui dit ça, ça dépend un peu de la vision politique que l'on a. Et je refuse de mettre des mots, si vous voulez, de socialisme ou de communisme ou de capitalisme. Pour moi, qui suis un écologue, qui suis un biologiste, la nature n'est pas comme ça. Simplement, c'est clair qu'elle s'entraide beaucoup plus que ce qu'on fait nous. Donc, elle a raison, cette personne, quand elle dit que l'entraide permettra de nous en sortir. Ce qui est clair aussi, c'est que le libéralisme va nous tuer, ça c'est clair. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Je prends le cas, par exemple, du nombre d'avions. On me dit sans arrêt tous les jours, quand est-ce qu'on va revenir au nombre d'avions qu'on avait avant? Jamais, jamais. Volaient le 20 janvier 2020 100 000 avions par jour. Ce n'est pas possible de revenir à ça. C'est là que le libéralisme a été catastrophique. Est-ce qu'on a le droit encore de vendre des billets d'avion à 20 euros? Non, parce qu'aucun billet d'avion ne coûte 20 euros. C'est l'environnement qui paye ça. Donc, ça veut dire que je préfère nettement… vous savez, on a encore des publicités du style « Emmenez votre copine passer le week-end à Jakarta ». C'est terminé. Emmenons la copine à Jakarta ou le copain, mais pour 3 semaines et une fois par an, pas toutes les semaines. Donc, c'est là qu'il faut absolument arrêter cette démesure. Donc, si tout ça, c'est ce que dit cette personne sous les termes qu'elle utilise, pourquoi pas? Heureusement, elle n'est pas en face. Alors, y aurait-il un moyen pacifique et rapide de changer les différentes sociétés qui entravent cette ouverture d'esprit à avoir? Si j'avais la solution, j'aurais déjà gagné. Je ne l'ai pas, malheureusement. Mais c'est clair qu'on doit changer, c'est clair. Comment est-ce qu'on change? C'est la vraie question. C'est vraiment très important d'y songer. J'y crois encore. Alors, justement, on a combien de temps? J'en sais rien. Vous savez, je vais quelque part les petits à l'école maternelle et j'adore leurs questions. Ils ont des choses tellement chouettes, mais il faut qu'on arrête de les désespérer. Par exemple, je vous dirais un truc tout simple. Aujourd'hui, je trouve qu'on nous dit en France les masques servent à rien il y a un an, alors, parce qu'on n'en avait pas. Bon, alors que franchement, le masque, il sert à quelque chose quand on est près de quelqu'un d'autre. Et puis maintenant, on met des masques à des enfants de 3 ans, ça ne sert absolument à rien. Donc c'est là que franchement, il faut qu'on prenne des mesures tout à fait différentes et qu'il faut vraiment que la science retrouve sa position et qu'on arrête de sortir des opinions. Donc, modifier tout le monde, chacun doit y mettre du sien, c'est ça qui est extrêmement important. Mais encore une fois, moi je me refuse à dire que c'est foutu, j'y crois pas. Par contre, c'est vrai qu'on va vers beaucoup de souffrance si on continue comme ça. Et qui va souffrir en premier? Ceux qui seront encore là. Une dernière question. Pensez-vous qu'il y a un vide spirituel aujourd'hui qui nous empêche de prendre les bonnes mesures? Alors, le spirituel, pourquoi pas? Mais pas religieux surtout. Moi, mon spirituel, il n'est pas du tout religieux. Oui, je reviens à Sri Aurobindo. Ça veut dire que si chacun admet que ce qui est important, ce qui est beau, c'est ce qui va l'émerveiller. On a perdu le goût de l'émerveillement. Je vous assure que moi, depuis 60 ans, je m'intéresse à cette nature qui nous entoure. J'en pleure tous les jours tellement c'est incroyable. C'est beau, c'est génial. Alors, nature n'est pas si bien faite que ça. Elle a encore des imperfections. Il ne faut pas dire que tout est parfait. N'empêche que vous avez des systèmes tellement émerveillants sur un insecte, une fleur, sur un arbre, tout ce que vous voulez, que je me dis, mais comment est-ce qu'on peut impunément, bêtement, stupidement détruire cela sans se préoccuper de ce que ça va emmener? Comment éduquer nos enfants? Éduquer, y compris dans l'entreprise. Donc, la spiritualité est indispensable pour moi pour faire ça. Alors, ça veut dire que, mettre l'important là où il est. Et je reviens à ma dernière... Vous vous rappelez mon image de Chauvet tout à l'heure? Pourquoi ils ont peint ces animaux sur ces parois de grotte? Ils avaient une énorme spiritualité. Ça ne sert absolument à rien pour leur survie immédiate, pratique, mais pour leur survie à eux dans un monde difficile de l'époque, ça les sauvait quelque part. Donc, bien sûr que la spiritualité est absolument fondamentale. Alors, comment enseigner votre grande sagesse? Écoutez, vous savez, on me dit souvent, pourquoi tu ne penses pas en politique? Ma réponse est très simple. Bon, je n'ai pas trop le goût pour ça. Puis moi, j'ai une peur, c'est que si j'étais un homme politique, je devienne un dictateur, en fait, écologique. Il y a des trucs que je ne peux pas supporter, qu'on laisse faire. Donc, écoutez, dans ce cas-là, je n'ai pas envie de... Je ne suis surtout pas, moi, un homme de dictature. J'ai vécu au Chili à l'époque de la dictature, je sais ce que c'est. Donc, c'est vrai que
La sagesse, elle est celle de tous. Moi, je parle beaucoup des femmes, j'ai envie de terminer sur les femmes. J'enseigne en médecine, j'enseigne aux écoles vétérinaires, agro-paritech. J'ai trois quarts de filles. Veto Lyon, cette année, 90% de filles. Médecine, les trois quarts de filles, où que ce soit en école de médecine en France. En écologie, les trois quarts de filles. Agro-paritech, presque 72% de filles. Ça veut dire que les femmes ont déjà une spiritualité, une appréciation de ces systèmes bien supérieure à celle des hommes. Et je répète, ce n'est pas les femmes qui ont tué les éléphants et les girafes. Donc là, c'est aussi une autre forme de spiritualité. Comment aujourd'hui on peut continuer à accepter ce qui se passe? Regardez ce qui se passe. Comment on traite les femmes dans la société aujourd'hui? Comment admettre des choses que la société admet, qui sont monstrueuses, qu'aucun animal ne fait? Quand on dit que l'humain est un animal, non, je suis désolé, ils ne font pas ça les animaux. Donc, on est sur quelque chose où ben, il faut qu'on change. Et moi, je crois beaucoup, 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 bien sûr, au rôle des femmes dans ce changement particulier, à condition qu'on leur donne, bien sûr, ce qu'elles auraient toujours dû avoir, c'est effectivement une parité intellectuelle partout. Hein. Et ça, c'est vraiment très important. 15h20. Oui. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci aussi aux auditeurs qui ont posé les questions. Vous pouvez retrouver cette conférence sur la chaîne YouTube de l'Espace Mendès France et sur le site UPTV de l'Université de Poitiers. Donc, pour la réécouter, pour vous imprégner de sagesse et puis mettre en application, essayer de faire quelque chose pour contribuer à l'amélioration de la planète. Pas de la planète, elle s'en fout la planète. De l'humanité sur la planète. L'humanité sur la planète, d'accord. Merci, à bientôt. Merci à vous encore.